Mesdames et messieurs, bonsoir, chers amis de la presse nationale et internationale, bienvenue. Nous sommes ici à la Fédération Ivoirienne de football. Merci pour toute la confiance que vous accordez à cette institution. Eh bien, ce soir, nous allons procéder à l'installation du comité de normalisation présidé par Mme Dao Gabala Maria. Et ce soir, il est entouré des membres, le professeur Bléou Martin et Maître Adou Abbé Simon. Eh bien, cette activité sera dirigée par le ministère des Sports. Et ce soir, nous avons la présence ici parmi nous du directeur du cabinet, M. Ala Yao François. Je voulais également vous présenter le directeur d'études de la FIF, M. Sam Etiassé, qui est aussi là. Donc, nous allons à présent passer la parole à la tutelle, à M. Ala Yao, qui va diriger les travaux ce soir. Madame la présidente du comité de normalisation, messieurs les membres, messieurs les ex, mesdames et messieurs, chers amis journalistes, je voudrais, comme nous sommes toujours dans le mois de janvier, et en ce début d'année, pour ceux que nous n'avons pas eu l'opportunité de rencontrer, je voudrais tout d'abord vous présenter les vœux les meilleurs pour l'année 2021. 2020 a été difficile pour tout le monde et à tout point de vue. C'est pour cela que, monsieur le ministre, il y a quelques jours, a reçu le club de football pour leur présenter ses vœux. Et l'un des vœux chers à M. le ministre exprimé ce jour-là, c'était de faire en sorte que la paix revienne dans le football ivoirien et que ce football puisse jouer pleinement son rôle. Madame la Présidente, je voudrais vous saluer au nom de M. le ministre qui vous a fait l'honneur de vous recevoir pas plus tard qu'hier après-midi. Et saluer ceux qui ont accepté, ceux qui ont été cooptés, mais comme ceux qui ont accepté de travailler avec vous sur ce brûlant dossier de normalisation de la Fédération ivoirienne de football.
Je voudrais à cette occasion de votre installation réitérer la position du ministère des Sports et de la Tutelle, qui vise à accompagner un processus qui s'impose à nous. Accompagner ce processus et l'accompagner pour une réussite totale de la mission qui vous est confiée. Parce que si nous avions tous beaucoup d'appréhension quand la nouvelle est tombée, le casting qui a été fait, le choix des personnes nous a fortement confortés et nous laisse espérer beaucoup de ce qui va être fait. Et nous donne l'espoir que les vœux que M. le ministre a exprimés ce jour-là au ministère des Affaires étrangères, que ces vœux peuvent se réaliser pour le football ivoirien, pour les jeunes ivoiriens. Nous attendons donc beaucoup de vous. Mais nous attendons beaucoup aussi du mouvement sportif dans son entièreté, particulièrement des acteurs du football. Parce que, comme M. le ministre le disait, pour que le CAFA puisse avoir accès aux entrailles du mur, il faut que le mur soit désarmé. Si aujourd'hui nous sommes arrivés là, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, sur lequel nous ne nous sommes pas entendus. Nous avons l'opportunité d'avoir des cadres de haut rang, de très haut rang. Qu'en temps normal, nous, tutelle, on n'aurait même pas pu coopter pour nous accompagner dans un tel projet. Et qui ont accepté de se mettre à notre disposition pour nous accompagner. Je voudrais donc inviter tous les acteurs du mouvement sportif pour qu'on se mette à leur disposition, pour les accompagner dans leur mission. Parce que le succès de leur mission sera notre succès à tous. Et j'ose croire qu'en tant qu'acteur du football et du sport en général, ce que nous souhaitons, c'est la promotion de notre discipline, c'est la promotion des jeunes à travers notre discipline. Aujourd'hui, ce que le gouvernement attend du sport en général et du football en particulier, c'est de faire en sorte que cette pratique donne un brin d'espoir à des jeunes qui ont du talent, qui ont le potentiel de se promouvoir et de se valoriser et de vivre à travers cette pratique. Les exemples sont multiples, on n'a pas besoin de les citer. Ce qui nous unit est donc plus fort que ce qui nous divise. C'est pour cela que je voulais inviter les différents acteurs. C'est vrai qu'on ne pourra jamais s'entendre tous sur tous les points. Mais on peut s'entendre sur l'essentiel. Et on peut s'entendre sur les objectifs. Pour nous, l'un des objectifs les plus proches, c'est qu'un de nos compatriotes est candidat à la Confédération, à la présidente de la Confédération africaine. Dans 2 ans, nous devons accueillir ce grand événement sportif. Et partout, dans les grandes localités de notre pays, les stades s'élèvent. Et que voudrait être calme si, après l'événement, parce que nous sommes divisés, la population dans son entièreté ne puisse pas bénéficier des retombées d'un tel événement. On peut donc regarder, mettre en parenthèse nos querelles et faire en sorte qu'on puisse, en prenant ces objectifs majeurs comme repère, profiter de l'expertise qui est mise à notre disposition à travers les membres du comité, accepter d'échanger franchement pour ressortir ce qui nous divise, afin qu'ils nous aident à les consolider et à faire en sorte que cela aille dans le sens de ce que la fêtière, qui est la FIFA, nous demande, tout en respectant
les dispositions de notre pays à travers les textes légaux qui organisent la gestion du sport dans notre pays. Dans tous les cas, le dernier mot revient à vous, les profs, puisque les textes même élaborés seront adoptés par vous. Les candidats qui seront choisis seront votés par vous. Donc, vous avez le temps de vous expliquer. Faites savoir ce que vous voulez, ils les mettront en forme et on vous laissera l'opportunité de décider. C'est le message, Madame la Présidente, que je voulais porter aux acteurs du football et particulièrement les agents de la fédération. Monsieur le ministre a souhaité que très rapidement les activités du football repartent et démarrent en toutes les formes. Il vous revient donc d'accompagner le comité de normalisation pour faire en sorte que ces activités démarrent. Et nous savons que nous avons beaucoup d'opportunités. Pas plus tard qu'hier, les jeunes du 17 nous ont prouvé qu'on peut espérer d'eux. Mais ils n'ont fait qu'un pas. La Coupe d'Afrique est devant. Et c'est très bientôt pour ces jeunes-là. Les éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun arrivent. Les éliminatoires de la Coupe du Monde arrivent. Donc faisons en sorte que très rapidement, en les accompagnant, les balles soient jetées et que nous puissions réussir cette mission de normalisation, mais réussir les bases, les fondamentaux du football en Côte d'Ivoire pour que cette pratique puisse redonner espoir aux Ivoiriens dans leur entièreté et serve de créneau de promotion des jeunes Ivoiriens au niveau international. Madame la Présidente, c'est le message que je voulais donner à l'entame de votre mission avec tous les espoirs que nous plaçons en cette mission pour le football ivoirien. Je vous remercie. À la suite du directeur du cabinet du ministère des Sports, mesdames et messieurs, le ballon va aller tout droit vers la présidente du comité. Madame la Présidente, messieurs les membres de la commission, du comité de normalisation, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le directeur général des sports, mesdames et messieurs les journalistes, et je voudrais, à la suite de monsieur le directeur de cabinet, de souhaiter la bienvenue à madame la Présidente, à messieurs les membres du comité de normalisation à la Fédération ivoirienne du football, et lui dire que leur dire d'abord qu'ils sont les bienvenus et qu'ils trouveront auprès de nous les éléments nécessaires pour la réussite de leur mission telle que voulue par M. le ministre, telle que voulue par la FIFA, telle que voulue par le gouvernement. Je voudrais vous dire merci d'être venu. Nous, au niveau de la direction exécutive, nous savons que depuis le 14 janvier, vous êtes déjà installé, vous avez déjà pris fonction, hein, d'après les documents que la FIFA m'a envoyés, et que pour nous, c'était d'abord les visites de courtoisie avant de venir aujourd'hui. Mais il fallait le faire, n'est-ce pas, devant la presse, devant tout le monde, pour que l'opinion internationale, l'opinion nationale sache que vous avez pris fonction et que bientôt vous allez démarrer vos activités. En tout cas, bon vent, comme on le dit, et que Dieu vous accompagne. Je vous remercie. Bien, chers confrères, après l'intervention du directeur exécutif, M. Sabi Thiassé, nous allons maintenant donner la parole à la présidente du comité de normalisation, Mme Dao. Messieurs les membres du comité de normalisation, monsieur le directeur de cabinet du ministère des Sports, monsieur le directeur exécutif de la FIFA, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, c'est vrai, nous sommes rentrés en fonction dès notre nomination.
Mais aujourd'hui, c'est une cérémonie symbolique de prise de fonction, je dirais officielle. Je voudrais, avant tout propos, remercier monsieur le directeur exécutif pour l'accueil chaleureux qu'il nous a apporté et espérer que la suite de nos échanges et de notre collaboration trouvera toujours ce terrain chaleureux. Je voudrais aussi remercier le ministère des Sports, le ministère de tutelle, qui nous a accompagnés et qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour que le sport redémarre. Je voudrais, mesdames et messieurs, commencer par vous présenter les membres du comité de normalisation. Cela a été fait, il y a des visages que vous connaissez, il y en a que vous ne connaissez pas. Mais comme disait monsieur le directeur de cabinet, c'est un casting que j'ai moi-même découvert au moment où la nomination a été faite. Je voudrais commencer par le professeur Bléou Martin, qu'on ne présente plus. Professeur émérite de droit, qui a été ministre de la Sécurité intérieure et qui est actuellement à la retraite, mais conférencier dans les universités, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. C'est donc un spécialiste du droit. Je voudrais aussi vous présenter Maître Adou Ablé Simon, que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, mais qui a un parcours très riche. Il a été avocat au barreau de Suisse pendant 8 ans. Il a été responsable juridique dans une entreprise suisse, une entreprise d'assurance, pendant presque 20 ans. Mais ce qu'il faut retenir de lui, c'est que c'est un passionné de foot. Maître, avant de faire ses études de droit, a été joueur au UFC Bassam. Il a été international. Il a même un diplôme d'entraîneur. Donc, le milieu du foot, il connaît. Nous avons un troisième membre, un quatrième membre qui va être bientôt confirmé. Il s'agit d'une dame qui est juriste aussi et qui travaille dans une organisation internationale, qui a fait son expérience dans un cabinet d'avocats, mais aujourd'hui qui est dans une institution internationale et qui s'occupe de tout ce qui est contentieux et gestion des conflits et négociations. Il y a moi-même, Mariam Daougabala, que vous connaissez peut-être comme activiste des droits humains, mais qui est aussi une experte en finance, qui a dirigé une institution financière internationale pendant 21 ans en Afrique et qui aujourd'hui est à l'international et qui actuellement a des missions de redressement d'entreprises en difficulté. Et je pense que c'est ce côté d'expertise et de gouvernance qui a attiré l'attention de la FIFA. Donc c'est une équipe de mission qui vient prendre sa place dans le processus de normalisation de la FIFA. Les enjeux sont très importants et très très importants. Et ces enjeux nécessitent que nous soyons tous rassemblés autour de la famille foot. Ces enjeux ils sont d'abord au niveau national. Je pense que nous avons tous le devoir de défendre l'étendard Côte d'Ivoire, de défendre la réputation de la Côte d'Ivoire, de défendre la réputation du foot. Je le disais à ma première interview que quand j'ai été nommée présidente du comité de normalisation, la première des choses qui m'est venue en tête, c'est cette phrase de notre hymne national qui dit « Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle ». Et le pays nous appelle tous, presse, membres du monde sportif, nous appelle pour que ensemble
dans un délai très court, nous puissions remettre le bateau Foote Ivoire à flot. L'enjeu est national. L'enjeu est aussi que nous devons être capables de remettre le championnat en route. Et ce championnat, c'est le cœur de métier. On a beau faire tout ce qu'on veut, le cœur de métier de la FIF, c'est de faire vivre ce championnat. Ce que les Ivoiriens attendent, c'est que ce championnat revienne. Et ce championnat est d'une importance capitale. Capitale pour la cohésion, mais capitale aussi pour la détection des talents et capitale pour permettre aux jeunes de s'exprimer sainement à travers le sport. Et ça, c'est une de nos priorités que nous allons ensemble avec l'équipe actuelle, avec les experts que nous avons, que nous allons essayer de mettre sur pied. Il y a des urgences, comme le disait monsieur le directeur exécutif, et il faut que nous rassemblions toutes nos énergies pour que ces urgences puissent être réalisées. Ce comité de normalisation, il a 4 missions principales. La première mission, comme ils ont dit, c'est une mission de gouvernance. La gestion des affaires courantes de la FIF. La deuxième mission, c'est une mission juridique, de révision, de mise à niveau des statuts. Cela ne veut pas dire que les statuts actuels ne sont pas bons. Nulle œuvre n'est parfaite, mais que les statuts actuels peuvent être parfaits pour éviter un certain nombre de litiges qui nous empêchent d'aller de l'avant. Donc, deuxième mission, c'est la revue des textes. La troisième mission, c'est de constituer cette commission électorale, d'aller aux élections pour permettre à la normalité de revenir et de prendre en main le bateau Ivoire. Et cette normalité, il faut qu'elle arrive le plus tôt possible parce que les échéances sont là et les urgences sont là. On ne peut pas aller à la CAN 23 en étant sous normalisation. Ça n'a pas de sens. Il faut que la normalisation aille vite pour que ceux qui gèrent le football puissent gérer la participation de notre pays à la CAN 23. Donc, il y a des urgences, c'est vrai, mais nous avons des missions. Et ces missions, évidemment, nous entendons les remplir. Nous attendons les remplir avec des valeurs. Et je voudrais partager avec vous ces valeurs. La première des valeurs, c'est la transparence. La transparence est importante pour éviter les interprétations, pour éviter les fake news, pour éviter un certain nombre de choses. La transparence. Et c'est la transparence qui emmène la confiance. Et notre objectif à travers la gouvernance, c'est de ramener la confiance entre les acteurs du foot. C'est ce sur quoi nous allons être jugés aussi à la fin. Ramener la confiance et la sérénité au milieu des acteurs du foot. Cela va nécessiter des rencontres, cela va nécessiter des conciliabules, mais à la fin de notre mission, il faut que la confiance soit restaurée et que la sérénité soit dans le bateau foot pour que nous puissions aller fort vers les échéances qui viennent devant nous. La deuxième valeur, c'est la valeur de responsabilité citoyenne. Nous travaillons pour relever l'étendard du foot Côte d'Ivoire. Donc il faut que nous ayons un sens de la responsabilité, mais que cette responsabilité, ça soit citoyenne. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, c'est une équipe et c'est ensemble que nous allons gagner. Et je vais prendre juste des exemples. Quand une équipe gagne, on ne dit pas que c'est le capitaine qui gagne, on dit que c'est l'équipe qui a gagné. Et donc, il faut que nous ayons cette responsabilité citoyenne pour que l'équipe football de Côte d'Ivoire gagne et puisse aller fort dans les batailles qui l'attendent devant. La troisième valeur, c'est une valeur de professionnalisme. Nous ne sommes pas des experts du foot.
nous sommes des professionnels qui venons apporter notre contribution au redressement du bateau ivoire, à la normalisation du bateau ivoire. Donc, c'est ces compétences-là que nous allons mettre en œuvre et nous allons tout faire pour que tout soit fait de façon professionnelle et de façon à cadrer, les Anglais disent compliance, dans la conformité, je dirais, des textes. Tout ça pour rebâtir la confiance et ramener la sérénité dans le bateau ivoire. Et nous allons le faire, je dirais, dès cet après-midi, puisque tout de suite après, nous allons avoir une séance de travail avec le directeur exécutif et avec son équipe pour voir ensemble quelles sont les urgences auxquelles il faut pallier maintenant et mettre en place un plan stratégique pour que, avant le 31 décembre 2021, le bateau ivoire coule calmement sur des eaux paisibles, mais soit forte pour passer les tempêtes. Voici un peu comment je vois ce rôle. C'est une équipe qui monte, ce n'est pas un individu. Je disais que le casting est complet. Hein. Certes, certains membres ne sont pas des experts du foot, mais on a vraiment des personnes qui connaissent le foot. Nous allons travailler, nous allons nous répartir les responsabilités et nous allons vous délivrer les résultats qui sont attendus. Nous allons délivrer les résultats attendus à la FIFA, mais nous allons aussi délivrer les résultats attendus à l'État. Quand je le dis, ça ne veut pas dire qu'on se met sous la tutelle de l'État, mais quand l'État lève des impôts particuliers pour financer le foot, il attend des résultats. Et ces résultats, il faut bien qu'on les délivre. Quand on est dans le monde de l'entreprise, c'est comme ça que ça se fait. Et ce résultat, c'est que le championnat démarre et que les jeunes soient occupés et que la cohésion revienne. Et nous allons nous mettre à l'œuvre aussi pour satisfaire le monde sportif. Parce que tout ceci, on le fait pourquoi ? Je dirais pour tous les amateurs de sport. Et je dirais pour la population d'une façon générale. Moi, je vibre au sport parce que mes fils vibrent au sport. Je ne sais pas s'il y a une maison qui ne vibre pas au sport. En tout cas, le sport s'introduit dans toutes les maisons, même au niveau des femmes. Et d'ailleurs, en aparté, je dirais, il faut que le football féminin puisse avoir une nouvelle visibilité. Ça, c'est un défi personnel. En tant qu'activiste des droits de la femme, il serait dommageable que, même si je passe un court laps de temps ici, que le football féminin n'en bénéficie pas. Donc, ce football féminin va recevoir une attention particulière. Et je voudrais terminer en lançant un message. L'enjeu est tellement important que je vous demande, et je demande au monde sportif, rassemblons-nous autour de la maison foot pour que très tôt les choses reviennent à la normalité. Que très tôt les choses reviennent à la normalité. En tout cas, notre objectif au niveau du comité de normalisation, c'est même de vous faire la surprise et d'achever notre mandat avant le terme. Parce qu'il faut revenir à la normalité pour pouvoir aller fort par rapport aux challenges qui sont devant nous. Et ces challenges, nous n'avons pas le droit en étant divisés. Mais on va laisser les lézards entrer et on n'a pas le droit. Alors, pour toujours prendre un exemple dans le foot, je dirais tous à la défense. Je veux dire, pour protéger la maison ivoire, tous à la défense pour protéger la maison ivoire. Et c'est vraiment ce dernier message que je voudrais donner en disant, faites-nous confiance, vous allez nous juger au résultat, mais nous sommes une équipe de mission qui vient pour accomplir une mission. Et cette mission, elle est en trois volets, comme je vous ai dit. Et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour le faire, mais on ne peut pas réaliser une mission seule. La mission, elle se réalise avec l'ensemble des acteurs. Dès la semaine prochaine, avec le directeur exécutif, nous allons commencer déjà à rencontrer toutes les parties prenantes. Nous devons les écouter, nous devons observer, et puis nous allons ensuite travailler pour remettre ces choses à flot. Donc voici un peu le message que je voulais apporter et dire que nous comptons
sur l'équipe qui est en place vraiment pour avancer. Nous comptons sur le monde des journalistes aussi pour nous faire avancer. Et que Dieu nous aide dans cette tâche. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, mais que Dieu bénisse le foot de Côte d'Ivoire qui doit revenir à la normalité le plus rapidement possible. Je vous remercie.